Action, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Christine, alors j'ai 51 ans et je suis coach pédagogique donc au Centre européen de formation spécialisé dans le domaine de la petite enfance. Le CEF, pour moi, si je devais le décrire en trois mots, donc ce serait humain, visionnaire et formation. J'ai eu la chance de pouvoir être enseignante dans l'hôtellerie pendant 5 ans. Après, j'ai toujours suivi ce cursus dans l'enseignement. Donc, j'ai travaillé en école de commerce, j'ai travaillé également dans une école maternelle où j'ai donné des cours de français à des petits anglais, parce que j'étais fille au père. Et puis j'ai travaillé à l'IESEG, école de commerce, et également donc maintenant au CEF, toujours dans l'enseignement. Je suis une personne qui aime aider les autres. Voilà pourquoi j'ai choisi ce métier de coach pédagogique. Alors moi j'ai une petite phrase effectivement que je dis souvent à mes élèves, c'est on ne change pas une équipe qui gagne. Le CEF donc vous accompagne pendant 3 ans. Alors l'avantage c'est que par rapport à vos contraintes professionnelles ou personnelles, on réadapte donc le planning, l'agenda, et vous avez la possibilité de passer votre CAP en 6 mois. Après vous pouvez également le faire en 1 an, donc vous comptez à peu près 10 heures de travail par semaine. Alors il y a des personnes qui vont trouver du travail, d'autres personnes qui vont tomber enceintes. Enfin voilà, il y a des cas comme ça et on réadapte régulièrement donc durant l'année ce rythme-là. L'avantage, c'est que l'on continue toujours de vous accompagner et donc de vous suivre en fonction de ça. Les élèves m'en ont parlé, alors quand est-ce qu'on va vous voir? On aimerait bien vous voir. J'ai une petite idée de ce que vous pouvez être dans la vie, mais j'aimerais bien avoir confirmation de ça. Alors moi, je suis très contente que vous puissiez me voir, voilà, et puis enchantée de continuer à vous suivre voilà, au CEF. Alors moi, oui, j'ai un petit message à passer à mes élèves. C'est surtout de rester positif, de ne rien lâcher, de vous accrocher. Ben moi, j'ai hâte de vous retrouver. Hein. Donc, allez, toujours au taquet, et puis on va y arriver.